Oui, en fait, ce cafouillage là, qui s'est passé dans le projet de Gros-Cacouna vient beaucoup du fédéral. Autant quand il a coupé les évaluations environnementales, les consultations avec la loi canadienne sur les évaluations environnementales, autant quand il a coupé dans l'Institut Maurice-Lamontagne, les deux tiers des scientifiques de l'Institut Maurice-Lamontagne ont perdu leur emploi lors des coupures des conservateurs. Et c'était eux qui faisaient l'étude écotoxicologique, justement, des belugas. Autant quand ça a été le temps, justement, le gouvernement provincial a demandé pour les forages exploratoires, ce que disait Mégane, ils ont demandé, donnez-nous un avis scientifique. Et au lieu d'envoyer un avis scientifique, ils ont envoyé une lettre signée. Alors, voilà la preuve du cafouillage du gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral, effectivement, a beaucoup de responsabilités dans ce secteur-là, autant en ce qui concerne le projet du pipeline, autant l'évaluation environnementale, autant en ce qui concerne les consultations, mais aussi en ce qui concerne la loi sur les espèces en péril. Les belugas sont une espèce en péril et c'est la responsabilité du gouvernement conservateur de les protéger. Et on voit depuis longtemps qu'il n'a pas respecté sa propre loi parce que la population est en déclin présentement depuis 2012, depuis 2010, au lieu de s'accroître, au lieu de se rétablir, la population est en déclin. Il n'en reste à peu près que 880 selon les derniers chiffres. Alors, et encore cet été, il y a eu plein de bébés belugas qui sont morts, qui se sont échoués. Alors, on est vraiment inquiet par rapport à tout cela. Donc, c'est pour ça que ce projet-là ne correspond pas aux normes du développement durable. Qu'est-ce que le fédéral peut faire concrètement? Il peut fermer le projet, il peut arrêter le projet ou si ça tombe dans la juridiction provinciale? Alors, tout à fait, il faut que le gouvernement fédéral, c'est pour ça qu'on a créé cette motion-là, pour qu'il vote en Chambre des communes. Donc, il va avoir un vote à la Chambre des communes sur cette motion, probablement la semaine prochaine, pour justement qu'il respecte ses responsabilités. Le cadre du développement durable, on est le seul parti avec M. Pierre Jacob qui a déposé une loi sur le développement durable, pour que justement tout encadrer les prochains développements, que tout soit, que respecte le développement durable. On est responsable en ce qui concerne la loi sur les espèces en péril. Donc, c'est la responsabilité du gouvernement conservateur de protéger les belugas dans ce lieu où c'est la pouponnière, justement, des belugas. Alors, effectivement, c'est l'obligation aussi du gouvernement conservateur. Il y avait un projet d'une zone de protection marine à cet endroit-là. Et on a appris que depuis que la consultation... dans le fond, l'organe qui devait se rencontrer pour l'organisme qui devait se rencontrer pour justement réfléchir sur la zone de protection marine, les réunions n'ont jamais eu lieu. Alors, c'est les responsabilités du gouvernement fédéral sur ce plan-là, sur le plan des pipelines qui traversent bien sûr les provinces, sur le plan de la protection des espèces en péril. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de régions de compétences fédérales dans ce projet. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on amène cette motion ici au fédéral, pour que les conservateurs et les libéraux puissent prendre position sur justement ce projet, parce qu'il ne correspond pas aux normes du développement durable dans les compétences fédérales. Juste pour être sûr de bien comprendre, ils pourraient, par exemple, invoquer la loi sur les espèces menacées puis dire non, en vertu de cette loi-là, ce projet-là doit arrêter. Exactement. Est-ce que vous avez essayé de mettre la main sur les avis scientifiques qui ont été faits ou qui n'ont pas été faits? Non seulement on a essayé justement d'obtenir les avis scientifiques. Les premiers avis scientifiques qui ont eu lieu, je pense, en mars ou avril, on les a obtenus. Mais dès ce moment-là, on a demandé au comité de pêche et océan et au comité de l'environnement, moi-même, j'ai déposé une motion pour justement rencontrer les scientifiques et pouvoir les questionner et pouvoir les interroger pour comprendre comment on pourrait justement aller de l'avant avec peu importe quel projet, que ce soit la phase des levées sismiques, que ce soit la phase des forages exploratoires, que ce soit une phase plus grande, c'est-à-dire un projet de port pétrolier. Et malheureusement, les conservateurs nous ont conduits à huis clos et je ne peux pas vous en dire plus, sauf que ces motions-là n'existent plus sur le feuilleton. Donc, ça vous dit comment, justement, on manque de transparence du côté des conservateurs, comment, justement, on essaie de museler les scientifiques, même les scientifiques. On n'a jamais vu ça, des scientifiques manifester pour dire qu'ils se sentent muselés, ils se sentent incapables
capables de s'exprimer sur leurs besoins. Alors, quand le gouvernement provincial du Québec, je suis allé d'ailleurs à une séance, la dernière séance à Montréal, à la Cour supérieure de Montréal, pour assister justement à la demande d'injonction, et quand le gouvernement du Québec a posé des questions très claires sur les derniers forages, quels seront les risques, quelles sont les conséquences justement sur les baies du gars et l'écosystème, eh bien, le gouvernement fédéral ne voulait pas répondre. Et la dernière réponse, ce fut, au lieu de donner un avis scientifique, justement, bien établi, bien élaboré, bien pensé, bien analysé, on leur a simplement donné une lettre, allez-y, allez de l'avant, aveuglement.